Attends les joueurs de l'équipe de France avec mon copain Elio et Antoine. On va pouvoir leur poser des questions. Ça va? Vous allez bien? Oui. Je me mets avec vous, vous avez des questions à me poser, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être sélectionné pour la première fois en équipe de France? C'est une immense fierté. Je pense que comme tu peux l'imaginer, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Surtout maintenant avec le coq et deux étoiles au-dessus. Donc voilà, c'est une immense fierté d'être ici. C'est un rêve de gamin. Gagner, c'est, je pense que c'était notre rêve à tous les joueurs. Et, on l'a fait. On l'a fait, on est très contents. Et maintenant, là, le plus dur maintenant, c'est de gagner encore d'autres trophées. Quel est le chant des supporters que vous préférez? Celle de N'Golo Kanté, ouais, j'aime bien. Et elle est marrante. Bravo pour votre victoire en Coupe du Monde. Vous nous avez fait rêver. Merci. Vous avez suivi les matchs? Bah oui. Tous. Quelle équipe était la plus dure à battre pendant la Coupe du Monde? L'Uruguay et la Belgique. La Belgique, c'était dur aussi. C'était difficile. On a gagné 1-0, mais c'était dur. Fais-tu très attention à ton hygiène de vie, alimentation, sommeil, etc.? Ouais, c'est très très important pour être le plus performant possible, mais aussi risquer le moins de blessures. Ouais, une alimentation, le sommeil, les étirements, tout ça, les professionnels, c'est très très important. Il faut demander à Blaise. C'est une machine, le mec. Ah. Quelles sont les trois principales qualités pour devenir footballeur professionnel? La persévérance, du travail et du respect. Voilà. On a beaucoup là dans bien sûr. Tim Pembe, Benjamin Mendy, Paul Pogba. Eux, c'est ceux qui mettent le plus l'anglais. Il y a toujours la musique, ils dansent. Ça s'arrête jamais. Ils ont trop d'énergie, ça s'arrête jamais. Bravo pour la Coupe du Monde. Merci mon ami. Et donc pour la question, c'est pourquoi t'as changé de célébration? Pourquoi? Parce que j'ai commencé à jouer à Fortnite. Et j'ai adoré cette célébration. Et voilà, avec mon frère, on a commencé à la faire dans le jardin quand on jouait au foot. Et c'est resté, et je l'ai fait une fois, et voilà, j'ai vu que les gens appréciaient, donc j'ai continué à le faire. Est-ce que tu trouves important de savoir jongler? Je pense que jongler, c'est bien pour la technique et pour l'amusement aussi. Parce que le foot, c'est un peu un amusement aussi. Et puis après, ça permet aussi après d'avoir un bon contrôle de balle pour bien manier le ballon. Mais c'est pas le plus important. Ok. Et c'est qui le meilleur joueur de foot qui joue le mieux à Fortnite? C'est Bibi. C'est moi le meilleur. Antoine ouais, Griezmann, je suis super content. L'un des trois meilleurs joueurs du monde pour moi, c'est énorme. Et puis en plus, il est venu nous signer notre maillot, répondu à notre question, c'est énorme. Merci au club des supporters.